Bonjour les amis. Alors, pour ceux qui voulaient en savoir plus pour la numérologie vibratoire, voilà, donc la numérologie vibratoire, c'est le GPS de l'âme. En fait, c'est pour découvrir vos ressources, vos acquis et vos points d'évolution pour aller vers votre mission, vers votre réalisation planétaire. Donc, on va passer, c'est en passant par vos défaites, vos buts et les facilités que vous avez pour vivre votre apprentissage et aller vers vos aspirations profondes. Donc, lors de votre thème numérologie vibratoire, on va mettre en lumière ce qui relève vos dons potentiels et vos dons à travailler, les points de progrès que vous avez choisi de travailler avant votre incarnation. En fait, ils se traduisent par des petits handicaps de vie, la timidité, le faible sens des responsabilités, la difficulté à s'ouvrir aux autres. Et il va falloir vaincre progressivement tout ceci pour évoluer et réussir dans la vie professionnelle, familiale ou autre. Voilà, donc les facilités dans certains domaines, les dons que vous avez déjà, que vous possédez dans une vie précédente et que vous pourriez révéler et exploiter dans cette vie, on va voir tout ça. On va voir votre personnalité, les grands axes de votre identité, de vos valeurs. On va voir la composante génétique de votre personnalité, les acquis qu'ont pu vous transmettre vos parents, et les valeurs de votre famille, vos aspirations intimes, votre moi intérieur, vos désirs, vos motivations profondes. En fait, les motivations profondes, c'est très important. Souvent, on ne sait plus ce qu'on veut faire, ce qu'on aime. Et quand on a repris conscience de ça, c'est beaucoup plus facile de se diriger, de prendre un chemin. Voilà, on va voir aussi votre personnalité apparente, vous, telle que les autres vous perçoivent. Parce qu'en fait, il peut y avoir un décalage entre le paraître, donc c'est votre nombre de réalisations, et l'être, l'ombre intime, ce que vous êtes vraiment. On a deux identités, ce qu'on montre et ce qu'on est. Et si elles sont un petit peu écartées l'une de l'autre, des fois on a des conflits intérieurs et on ne comprend pas. Donc là, ça permet de comprendre et remettre de l'ordre grâce au thème. On va voir aussi votre façon d'exprimer votre personnalité, votre profil psychologique dans tous les domaines de la vie. C'est le chiffre majeur de votre thème, ça en fait. Et votre parcours initiatique qui va vous présenter des situations où vos potentialités, vos pouvoirs pour s'exprimer et s'épanouir. Voilà, donc en fait, le thème, ça va vous permettre de réagir selon votre propre libre arbitre, en faisant vos propres choix en fonction du destin qui vous est confié. Voilà. Donc du coup, vous allez pouvoir influencer votre destinée et votre style de vie pour en tirer le meilleur enseignement finalement. Vous rapprochez votre chemin de vie de l'ensemble, ouais, grâce à l'ensemble du thème de numérologie. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour le thème numérologie, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre date de naissance, votre nom, vos noms et votre prénom, exactement comme c'est marqué sur votre pièce d'identité ou votre passeport. Et pour les femmes, j'ai juste besoin du nom de jeune fille. Donc, nom de jeune fille et tous les prénoms et votre date de naissance. Voilà. Donc, les consultations, elles se font par Skype ou par téléphone. Et donc, vous pouvez m'envoyer un mail et me retrouver sur le site www.gwenolinetv.com. Voilà, donc je vous embrasse très fort et j'espère que ça vous a un petit peu éclairé pour ceux qui m'ont envoyé des mails pour comment ça fonctionne la numérologie vibratoire. Je vous embrasse très fort, à bientôt!